Le sport indiaca est originaire du Brésil du Sud. Donc, c'est un tout petit volant de mousse avec des plumes qui mesurent 17 cm et qui pèsent environ 45 grammes. Les règles de base sont les règles du volet. À la différence près qu'en senior, nous faisons trois passes au lieu de taper directement sur l'indiaca. Donc voici avec quoi on joue à l'indiaca, ça s'appelle un indiaca aussi. Donc il y a un mousse ici, assez souple, et des plumes. Ça pèse en plus ou moins 45 grammes. Les plumes, elles doivent toujours bien être mises l'une en face de l'autre pour qu'elles soient bien dirigées et propulsées. S'il manque une plume, on ne sait pas jouer. Alors le match d'indiaca se déroule en 25 points. Pour gagner. On livre 4 points d'affilée si on gagne le point. C'est les mêmes règles que voler, donc on est obligé de se faire 3 passes et puis la passer chez l'adversaire. Les seniors à entraîner, c'est pas facile parce que moi je suis assez jeune, donc je dois penser qu'ils savent pas faire tous les mouvements. Je dois bien réfléchir à l'échauffement. On ne va pas commencer à faire 20 pompes ou, parce qu'il y a des choses qu'ils ne savent plus faire. Donc c'est assez difficile. Je dois toujours bien réfléchir à ne pas faire un mauvais mouvement, leur dire de bien se baisser. Ils ne savent plus spécialement bien se baisser. Donc ça, c'est difficile. Toujours bien réfléchir. Alors les seniors, après avoir joué l'indiaca, se sentent vraiment bien. Ils se sentent relax et en même temps défoulés. Sans être trop fatigués non plus. Ça les permet vraiment de se maintenir en forme sans trop forcer sur leur physique. On est très actif, oui. Il faut faire ça parce qu'il faut se maintenir en forme. Si on veut encore avoir une représentation au niveau de la société, on ne va pas rester coincé chez soi. Ça n'a rien d'intéressant. Donc il faut connaître les gens et il faut avoir l'occasion d'échanger. Ça donne l'occasion de vivre. Trop dur, non. Disons qu'on sent quand même un petit peu les effets le lendemain ou le surlendemain. Mais finalement, non, ça passe. Hein. Il faut bouger. Alors ici, nous avons de tout. Nous partons de professeurs, de toutes les activités sportives sont à peu près vues. Nous avons quand même pas mal, surtout chez les hommes, d'anciens joueurs de balle pelote. Nous avons plusieurs joueurs de volley. Et nous avons des joueurs de tennis, mais point de vue métier, il y a à peu près de tout, de toutes sortes de démarches, de métiers. Quoi. L'ambiance ici, chez les seniors, c'est très particulier, avec beaucoup d'humour et vraiment un grand plaisir de jouer. On voit qu'ils sont détendus, ils n'ont rien d'autre à penser à part jouer et... vraiment se défouler, bien rire ensemble, quoi. Donc, je fais du sport depuis toujours. J'ai fait du volley, de la natation, de la marche. On a fait pas mal. Hein, oui, on a fait de la grande randonnée aussi. Voilà, et pour le moment, on se limite à l'indiaca, au yoga, à la marche, au country, à la natation. Alors, toutes les personnes qui désirent venir nous rejoindre ici, c'est tous les lundis à partir de 13h30. Tout le monde est le bienvenu. Il faut dire que l'indiaca est un sport complet, aussi bien physiquement, mentalement, mais surtout une magnifique ambiance, vous pouvez sûrement l'entendre derrière moi. Nous avons une équipe sympa, tout le monde s'entraide et c'est très, très agréable en tant que senior de se retrouver tous ensemble comme ça. Et le sport est quand même une activité qui rend bien des services sur le physique et le mental. Bah, vous voulez vous défouler, venez nous rejoindre à Indiacool parce que c'est vraiment cool.